Eh bien, salut tout le monde, c'est Kevos87, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une vidéo, remerciement, enfin, plus exactement sur le serveur Feed the Family. Peut-être approcher légèrement le micro, hein, pour une vidéo remerciement pour les 200 abonnés. Je remercie tout le monde qui sont abonnés à ma chaîne. C'est pas énorme, 200 abonnés pour certains, si pour moi c'est quand même assez énorme. Hein. Je remercie aussi plus particulièrement Mister, non, il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Non, je ne le dirai pas. Non, Elvia, pardon en tout cas, qui est venue sur mon stream, qui vient sur mes streams hein, toujours. Enfin, peut-être qu'il vient plus parce que vous regardez la vidéo peut-être en 2014, je sais pas. Non, mais qui vient sur mes streams. Je remercie parce qu'il fait, bah, il retweet certains de mes tweets quand je suis en stream. Il fait de la petite, il fait ça, il me donne un coup de pouce, hein, comme il dit ça. Et donc je remercie plus particulièrement. Ça me fait vraiment plaisir. Au début, on ne croyait pas que ça serait le vrai Elvi. Et finalement, c'était le vrai Elvi. Bon, après, il est venu sur le TeamSpeak, on rigole bien. Bref, c'est quelqu'un de génial, hein, Elvie, on a de bonnes barres avec son pote Crapou aussi. Donc ensuite, le serveur Feed the Family dans la première vidéo. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir de bug de Sony Vegas. Hein. On va faire le tour des changements. Hein. Déjà, les premiers changements, il y a un tank ici qui permet, c'est le tank de secours. Mon système d'un tank drain. Qui est en dessous, hein, qui n'a pas changé, hein, ça non. À part les pipes qui vont changer, mais sinon, il y a pas ça. Parce que dès qu'il y avait la pompe ne pompe plus dans le lac de lave, c'est que je me suis pas rendu compte. Donc il n'y a plus d'énergie qui est produite par les machines là, comme là. Hein, il n'y a plus de lave. Je vais activer le levier, ça va donner de l'énergie à la première rangée où je vais brancher le Tesseract. Pour qu'il y ait de l'énergie qui reçoit. Rien que pour redonner un petit, comme on va dire, une voiture qui a plus de batterie, on va se servir d'une batterie d'une autre voiture. On va brancher les câbles, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui se connaissent en mécanique, pour donner un petit coup de pouce à l'autre batterie, qui a presque plus rien, qui a du mal à démarrer. C'est à peu près du même principe. Ouais. Donc voilà. Donc je vais donner un petit coup de pouce et puis les engines vont remarcher. Donc voilà, et je vais le faire tout à l'heure. Donc là c'est le petit Nyan 4 fait par le Plouc. Exceptionnel, magnifique. Ensuite, il n'y a rien eu d'autre changement à part là que j'ai fait hier en live. Il pleut. Bon, ça, la pluie en fait maintenant dans le monde il fait que de flotter. C'est parce qu'en fait je crée des mondes Mistcraft qui sont déjà assez instables de base. Et enfin instables. Non, ils sont à peu près tous stables. Sauf que plus on crée de monde Mistcraft, faut savoir que ça influe sur l'overworld. Donc on a toujours un temps de merde. Donc voilà, ici c'est une petite map, je pense, ressource. J'ai pas fait encore le bouquin de l'autre côté pour faire le retour. Mais sinon, il flotte toujours dans ce monde aussi. Il n'y a que de la pluie. Donc j'étais voir les ressources. J'étais sous terre et il y avait pas mal de ressources. Donc voilà. Donc Manepoki n'est pas revenu depuis la dernière vidéo, donc il n'y a pas eu de changement. Là, la fontaine de lait de Link. Bon, Link a déménagé parce qu'il avait une Wisp. Je sais pas si j'ai mes lunettes. Oui, j'ai mes lunettes. Une node assez importante qui était là. Ah, voilà. Elle est là, elle est dangereuse, donc risque de spawn de Wisp. Ça, je vais faire peut-être une autre vidéo pour savoir. Le vocabulaire, tout ça. Déjà, juste après cette vidéo, je vais tourner une vidéo pour Mistcraft, parce que il y en a qui tout le monde me demande comment on fait des links pour revenir, etc. Est-ce que ça a changé avec la mise à jour? Et on en trouve, c'est vrai qu'on en trouve pas beaucoup, surtout en français. Donc j'espère que ça apportera de l'aide. Donc voilà. Il y a toujours la ruche en haut. Hein. Donc chez moi,
Il y a deux écrans, là, ici c'était pour le film Star Wars, et là normalement c'était une sorte de paint que je voulais faire. Sauf que faut que je retrouve le programme, etc. Faut que je demande à le plou comment il a fait pour déjà pour son 94, parce qu'il a collé mis un passe-bin dans le programme. Bref, c'était bien compliqué. Donc ici il n'y a rien qui a changé, hein, à part des nouvelles baguettes, hein, que j'ai faites. Hein. C'est pas. Parce que je me suis un peu plus intéressé à Tomcraft. Là non plus, hein, il n'y a rien de spécial, mon système tourne pareil. Là il n'y a plus trop d'énergie parce que c'est là. J'ai un truc pour faire des ullumateurs, donc pour faire de l'iridium qui tourne. Je vais vous montrer comment faire de l'iridium, d'ailleurs, ça peut être important. C'est les crafts secrets qu'on appelle ça. Hop, on fait une sorte de I. Il y en a qui disent que c'est un H de côté. Pour moi, c'est un. Ouais, de côté. Ouais, c'est un H à l'envers retourné. Et voilà, ça fait de l'iridium. Donc voilà. Bon, ça clignote parce qu'en fait, c'est ça qui produit de l'illumateur et qui pompe pas mal. Et encore, je vais avoir des fours toujours en action. Je sais plus lesquels, ouais, c'est celui-là. Non, il y en a d'autres qui sont en action, ça va être cela. Hop, on va les désactiver pour le moment. Bon là, il n'y a pas grand-chose à part non, dans la centrale, il n'y a rien non plus, à part un système automatique. J'ai juste mis mes fesses jusqu'en plein live. Oui, j'ai relié la centrale nucléaire. Je sais plus si je l'ai montré dans la précédente vidéo. Je m'en rappelle plus, mais je la remontre. La centrale nucléaire stable, hein, magnifique, toute protégée. Hein. Relié directement sur ma maison pour l'instant, si quelqu'un veut se connecter, il pourra. Donc, comme il n'y a plus de 40 blocs entre ma MFSU et la centrale nucléaire, il y a une MFSU qui est quelque part en sous-terre pour redonner du peps, refoutre du haut voltage d'un coup. Donc là ici il y a mon petit spawner à zombie pig pour l'XP. Normalement ça va marcher. Bon, les turtles ne sont pas. Hop, on va juste désactiver. Ah si, ça marche. Les turtles sont en action. Voilà, les turtles qui frappent. Et le petit monticube, enfin mon petit. Un petit crâne qui garde l'XP et puis ça permet de faire. C'est une machine à XP. Bon, il y a eu des nouvelles constructions parce qu'il y a des nouveaux arrivants. Donc là, il y a la maison d'Elvie. Là, c'est la maison de HQX, je crois, ici. Une maison de crapaud. Là, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Mister Dawid. Non, je crois que c'est ici, Mister Dawid. Si, c'est chez lui. Et qui d'autre? J'ai vu une maison là, il y a des petits freeze, hein, je suis vraiment désolé. Parce que c'est la flotte, on va juste la désactiver. 2 secondes. Touc. Non, là c'est. Pouf. Ah, ok, en fait la flotte s'était désactivée pour se réactiver. Elle peut me frapper l'araignée, je sens presque rien. Enfin, presque, c'était vite dit. Hop là. Oui, pourquoi? Voilà, en fait, ça n'a pas trop changé par des nouveaux arrivants. Maison de Monégasque, hein, c'est toujours là. Donc voilà, mon système est correct, qui tourne toujours. C'est la base, quoi, c'est la base. Je regarde entre deux. Oui, j'ai 562 de diams. De diams. De fer, bon ça va, les ressources sont rechargées. Donc j'ai aussi pendant le live trouvé un portagon où j'ai fait d'où j'ai fait un highlight. Donc voilà. Je regarde juste le chat. Donc voilà. Portagon, donc j'ai fait un light. Hier aussi, on a trouvé un bug de glitch, enfin un glitch pour multiplier les portails trucs, les portails là, je sais pas si ça le détecte, non ça le détecte pas. Il va falloir que je refasse le highlight d'ailleurs.
faut que j'y pense. Donc à part ça, il n'y a eu rien de. Je crois que le link modifier y était pas la dernière fois. Donc je me suis dit, j'ai fait ça honnêtement, je crois qu'il était pas d'ailleurs. J'ai fait ça honnêtement, j'ai fait 8 blocs de diams, plus un bloc de. Je sais plus quoi au centre. Dans mon inventaire, je me l'ai givé, mais j'ai foutu le craft en l'air, enfin, dans le void. Comme ça m'a fait perdre des ressources. On est en règle, on va dire. Bref. Donc je crois que j'ai plus trop de choses à dire à part me remercier à tout le monde, merci à la communauté d'Elvie. Et merci à Elvie bien sûr, encore et encore, faut pas l'oublier, c'est grâce à lui. Hein. Les crapauds, tout ça. Etc. Le serveur, bon là, il commence à être pas mal plein, on va dire. Entre les lives, les gens qui veulent rejoindre. Ça commence à devenir juste déjà aussi le TeamSpeak. J'ai boosté un peu les slots du TeamSpeak pour accueillir 2-3 personnes en plus, mais sinon ça devient juste. Hein. Mais bon, donc voilà, je remercie tout le monde encore une fois. Faut que je le dise, faut que je le dise. Je remercie tout le monde. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et à la prochaine, ou pourquoi pas sur mes lives pour ceux qui regardent la vidéo le 8 août exactement, ce soir à 22h, bien sûr, je serai en live sur twitch.tv. Les liens seront dans la description. Ah oui, j'ai oublié de faire la présentation de Elvilia parce que j'ai eu le coup hier aussi en live. C'est qui Elvilia? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un youtubeur qui a quelques 100 et quelques 1000 abonnés, j'ai pas retenu les chiffres, hein. Je crois bien, qui fait du Minecraft, la base de Minecraft. Ensuite, bon, c'est un Patrick, hein, il a été sur Feed the Patrick, tout ça. Bref, je vous invite à aller voir sa chaîne. Bon, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, bien sûr. C'est la base. Pour ceux qui connaissent pas, pour le faire connaître, c'est. Enfin, pour vous faire connaître. Ça a déjà arrivé, et puis quand hier il y a eu quelqu'un qui a dit c'est qui Elvilia, bon, d'abord j'ai dit quoi, tu connais pas Elvilia? Bon, ok, après on m'a dit non, mais c'est bon, il est pas, c'est pas une star. Non, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne le connaissent pas, donc je mettrai quand même un petit lien histoire d'échanger parce que il a fait un peu de pub sur son Twitter pour moi, pour mes lives. Pour ceux qui connaissent pas Elvilia sur YouTube. Pourquoi ne pas faire un lien vers sa chaîne aussi. Donc voilà, je remercie tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.